Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis avec Champak pour vous présenter une nouvelle série de vidéos sur Metal Gear Solid 2 Substance. Bonjour à tous, enchanté et content de revenir parmi vous. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder ces nouvelles vidéos, cette saison 2 comme l'a dit l'un de mes visionneurs. Eh oui, saison 2. Comme promis, nous allons continuer avec du mode hold-up. La question, c'est avec qui ? Et la question, qu'est-ce que le mode hold-up ? Alors, le mode hold-up, ça consiste à... braquer les banques, hein ? Pas les banques, mais braquer les soldats, en fait, en allant dans leur dos et en leur faisant freeze ! Le fameux freeze ! D'accord. Ah. Bon, bah, ça m'a l'air intéressant. Alors, quel perso allons-nous prendre ? Je vois bien le faire avec Tuxedo Snake. Allez, en costard, comme ça, en train de... C'est classe, en plus, hein, tu vois. Ouais. Tu braques et tout. Allez, je vais... inaugurer. Mais, inaugurer. Donc, c'est parti, mode hold-up. Braquer tous les ennemis et atteigner l'objectif. Alors, attendez, juste un petit détail, parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis. Je quitte MSN. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu la déconnexion de la personne, mais en tout cas vous entendrez au moins le bruit des connexions et ça c'est hors de question. Alors que je me rappelle les touches avec la manette de Xbox parce que je suis un peu paumé. Ah oui, alors donc c'est start et back pour l'inventaire, ce qui n'est pas pratique, je vous le rappelle. Mmh. Donc, alors par contre, il y a juste un petit détail qui est très important dans ce mode. Il faut pas se faire repérer. Si on se fait repérer, la mission est échouée immédiatement. Ah. D'accord. Donc là, je vais essayer d'analyser un petit peu la route du garde. Ouais. Donc là, il se retourne, manifestement. Voilà. Donc alors, oui, je me doute bien qu'au fur et à mesure des niveaux, le nombre d'ennemis va augmenter. Ils vont devenir aussi un petit peu plus vicieux dans leur ronde. Donc là, il a pas fait grand-chose. Voilà. Et hop, il disparaît instantanément. D'accord. Après, je fais ça. Et victoire. Bien. Bon, alors là, je vais essayer de pas me rater, hein. Ça sera bien. Alors, il y a le temps de reprendre les commandes en main aussi, alors c'est possible qu'il y ait quelques petits fails au début, hein. Surtout qu'on commence avec Tuxedo Snake, en plus. Ah, ce niveau, il est assez corsé, en plus, pour le hold-up. D'accord, bon, bah... Donc là, tu dois avoir deux gardes. Ah oui, c'est vrai, on peut pas rester. Oh, alors là, ça pue déjà. Bon. D'accord, bon... Et ça commence bien. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Donc, attends. Je vais essayer de me planquer à ce niveau-là. Faudrait que je regarde un petit peu ce qu'ils font, ces connards-là. D'accord. Déjà, si j'arrive à m'en débarrasser d'un. Freeze. Ça, c'est fait. Dans l'autre, je vais attendre un petit peu qu'il fasse un petit peu le tour. Il s'évapore les ennemis une fois qu'on... Ouais, ça c'est pratique. Ah oui, parce que si après il risquait de se retourner et de faire foirer la mission, ce serait un peu chiant. Ouais, c'est clair. Ouais. Freeze. Voilà. Ça va, sans problème, hein, tranquille. À vous, monsieur. Je vais te laisser jouer, ça sera plus... Mais non, tu vas y arriver. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Failman. C'est-à-dire, en fait, les programmeurs de jeux me font tester leur jeu pour découvrir les failles, parce que je rate, en fait. Mais bon... Encore, c'est la difficulté d'un jeu. Faut dire quand même que ça fait beaucoup plus longtemps que... Enfin, t'as joué beaucoup moins que moi ces derniers temps, je veux dire, à ce jeu, donc du coup, forcément, c'est normal. Je sais même plus comment on braque. Ah oui, comme ça. Et faut que je fasse ça, sinon je tire, non, c'est ça, non, avec le start, ouais. Bon, j'ai tiré. Ah, toi par contre t'as des magazines porno, ça peut servir. Ouais. J'ai 2 minutes 27, non. Ah oui, c'est vrai, putain, le temps c'est un peu chaud quand même. Hein. Il y a une caméra là. Non, c'est le perroquet, t'inquiète pas. Voilà. Bon bah j'ai battu mon record, j'ai tenu plus de 15 secondes. Je suis content. Le perroquet, faut pas s'inquiéter. Hein, c'est... Attention. Voilà.
Oh merde. Rooster. Je me souviens de ce niveau dans MGS2, on est déguisé en garde. Oui, on se déguise en garde pour je sais plus quelle raison d'ailleurs. Je sais plus, il faut rejoindre une personne. Ah oui, il faut trouver Ames. Ouais, voilà. Ah, c'est bon. Il a regardé le magazine. Enfin, l'un des deux au moins. Pousberg. Avec la... Pousberg. Attends, j'en ai qu'un. Pousberg. Ça y est, il l'a vu. Hey. La voix de pervers. Hey. Je suis sûr qu'il traîne sur coco.fr lui. Freeze. Voilà. Voilà. Adios. Muchachos. À mort le pédobir. Oh putain, mais je l'aurais jamais celui-là. Il est assez À moins qu'il regarde le magazine lui aussi. Ah. Non, même pas. Ah, ça pue ça, je suis dans la merde. J'essaie de la tirer au pire. Ouais. En plus, c'est vrai qu'on. Pas choisi le plus facile. Hein. Succès de Snake, ouais, ça rigole pas. Hein. De toute façon, on n'insistera pas sur les niveaux si on n'y arrive pas. Puis il y a 5 ennemis en plus. Ah, ouais, j'avais pas vu ça. J'ai juste regardé le temps en fait tout à l'heure. Oh, c'est bon, ça fait 2. Donc, il voit pas au travers de la vitre, hein, faut pas s'inquiéter. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Non, 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 c'est... Nous, on fait notre boulot, on est engagé pour garder ce qu'il y a dans la pièce, pas ce qu'il y a dehors. Hein. Même si on voit quelqu'un, c'est pas notre problème. Il avait qu'à rentrer, le mec. C'est un peu ça. Les gros flemmards, quoi. Ah, puis on dira rien, hein. Non, non, tant qu'il rentre au pas. Là, il voit rien. Là. Ah, par contre, là, si tu passes la pièce, attention. Hein. Merde. Bon, bah, on va mettre le niveau suivant, hein. Je pense que ça vaut mieux. Ouais. On n'insistera pas, on montre juste globalement. Tout à fait, tout à fait. Donc maintenant, entre-temps, j'ai eu, vous l'aurez remarqué sur le dernier épisode de Metal Gear, j'ai la possibilité de faire des vidéos de plus de 15 minutes désormais. Donc, Ah, je savais pas ça. Ouais, donc ça m'évite de découper ça en plusieurs parties pour le même mode, parce que c'était chiant. Là, je vais pouvoir découper les épisodes par mode que qu'on teste tous les deux, quoi, finalement. Et alors, comment d'ailleurs ça se fait que maintenant tu peux... Alors, je sais pas si c'est YouTube qui a enlevé la sécurité. Parce que, en fait, j'ai dû donner mon numéro de téléphone et j'ai reçu un SMS. Ouais. Et j'ai entré le code qu'on m'a donné par SMS pour pouvoir enlever cette limite. Par contre, l'autre jour, ils m'ont enlevé. Enfin, ils m'ont remis la limite. Ouais. Là, je crois que tu vas te faire repérer. Non, c'est dans la tête. Enfin, pas vraiment. L'autre jour, ils m'ont remis la limite de 15 minutes parce que il y avait des musiques que j'avais mis et copyright, blablabla. Bla, bla. Ouais. C'était la fameuse vidéo de la vaisselle qu'on avait fait avec Deyo. J'ai dû la supprimer pour pouvoir de nouveau enlever cette limite. De toute façon, il m'avait enlevé le son. Oulala, ça pue. Ah, d'ailleurs, les gens qui me regarderont jouer. Remarqueront que je me crois toujours dans MGS3 en fait, hein. Parce que je m'allonge comme s'il y avait un camouflage. Merde. Sauf que bon, y en a pas. Donc j'ai beau m'allonger, je me fais toujours repérer de la même façon. Oui, parce que dans MGS3, tu pouvais, suivant les camouflages et la zone, être plus ou moins à l'abri de te faire repérer, mais ben, là. Ouais, ça marche pas pareil. Et surtout en costard. Mais t'avais un costard d'ailleurs dans MGS3. Freeze. Ah oui, je crois que je m'en rappelle. Je crois que d'ailleurs ce costard il donne une mission illimitée. Ah, c'est ce qui sert de bandana. Je crois. Enfin, je dis peut-être une bêtise. Hein. Oh, attends, non, je dis une bêtise. Freeze. C'est une peinture infinie. Qui te donne. Ah oui. Avec le Tsuchinoko, ouais, comme ça. Mais d'ailleurs, un jour ce serait intéressant de faire des vidéos sur MGS3. Dans un monde, faut le voir. Bah, quand il y aura la version HD à la limite, oui, pourquoi pas. Ouais, qui bah d'ailleurs je compte me la prendre, hein, je vais bientôt sortir. Dans le mois de novembre, non? Je sais pas trop, je crois qu'il y a eu une histoire comme quoi ça avait été repoussé. Ah. Bon, tu me diras, je serai très occupé, toi aussi d'ailleurs par Skyrim, donc bon. Oui, c'est vrai. Et il faut. Enfin, j'ai appris un truc aussi ouais. Par rapport à la version HD. Apparemment, ce serait des versions substance. Et subsistance. Donc, ce qui veut dire que déjà on aurait les missions virtuelles de
Au revoir. Ah, ce serait énorme. Il y aura l'émission virtuelle donc de Metal Gear Solid 2. Non mais super. Ah ouais, non, ouais, c'est vraiment énorme. Et il y aurait bah, après je crois pas qu'il y aurait les fonctions online de Metal Gear Solid Online, mais bon. Non bah non. Mais ça serait trop beau qu'ils remettent un bon vieux MGO1, mais non. Mais ça aurait été vraiment super. Hein. Par contre je crois que j'ai fait une erreur. Merde. Non. Non. Et si. Bon bah quand il y a deux fails on passe hein. C'est ça. Ah ouais non. Mais non puis je sais même plus où là je ne sais plus jouer là. Ah tu vas bien y arriver à force. Je sais même plus comment on se... C'est avec start du coup en fait. C'est pour ça que ça marche pas, c'est la même touche. En fait start remplace L2. Non R2 pardon. Et back qui remplace L2. Comment il t'a vu là? Je me suis décalé en fait. Ah d'accord. Je vais faire la bonne vieille technique. La bonne vieille technique pour se faire repérer, c'est réussi. Oh, tu te rattraperas sur le mode photographe. Ouais. Donc là par contre pour l'avoir lui ça va être galère quand même. Ouais voilà. Il y a que ça à faire en fait. C'est ce que j'avais pensé. Putain, faut aller vite quand même. Oh, puis y'a l'autre qui a commencé à me voir. There's somebody there. Ah, d'ailleurs, t'aurais même pu rester derrière la caisse. J'aurais pu, ouais. Freeze. Oh, maintenant, je me dépêche à me décaler parce qu'il y a l'autre là-bas. Non, c'est bon. D'accord, c'est l'autre en dessous qui a entendu. Je vais me mettre là. Très pratique. Oh. Et tu remarqueras qu'on a vraiment pas beaucoup de temps, hein. Faut se manier le cul. Hein. Ouais. Hors de question de traîner quoi. Ah, deux minutes, Limite sur certains niveaux, je pense qu'il faut les connaître par cœur pour les finir. Ah bah oui, après c'est une question de timing. Chaque geste est calculé. Oh putain, il se barre trop vite en plus, je pourrais pas l'avoir. Donc par contre, l'autre là-bas. Aïe aïe aïe, comment je vais l'avoir celui-là? Au pire. Merde. Voilà, je l'endors et puis je vais lui mettre des coups de poing pour le réveiller. Je pense ouais. Que... C'est qu'en retard. Ah merde. Ah voilà, c'est bon. C'est pas très bonne idée que de ressortir sur PS3 et Xbox. Putain, j'arrive pas. Des remakes de... Oh putain, y'a... Ah ! Ils vont passer par là. Ah. D'accord. Où est-ce que je vais aller? Non, 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 cache-toi. Je suis trop dans la merde. Là, dans cette situation, on doit vraiment se sentir con. Tu sais que t'as des mecs qui te recherchent, t'es dans la zone et là, t'es là suspendu dans un escalier, on peut te voir à tout moment, tu dois vraiment te sentir con. Je suis trop dans la merde, c'est horrible. Ouais, c'est le genre de moment où les secondes, c'est des minutes, quoi, c'est des heures même. C'est un moment de solitude. Et voilà, et voilà. Putain. Ah mais là c'était pas possible, je suis complètement failé. Mais nous sommes quand même les deux meilleurs joueurs français du MGS. Non, au moins. Non mais bon... C'est qu'en fait ce jeu est terriblement dur, mais on se rend pas compte comme ça. Au pire ça peut faire rire les gens de voir qu'on se fail, hein. C'est ça le truc en même temps. Bon, moi ça se compte en secondes. Non. Ah j'avais le temps mais je connais pas ces rondes moi. Ouais les rondes sont... complètement différente en plus en fonction du personnage qu'on utilise. Oui. Le nombre d'ennemis également. Freeze. Ouais, le premier. Tu remarqueras que quand même ils voient de loin les gardes. Ah mais c'est ils sont des jumelles dans la gueule quoi. Non mais contrairement aux autres modes, enfin je pense que ça correspond un peu à de l'extrême. Oh putain. Pas de l'European extrême mais à de l'extrême. Ouais. Freeze. Ah, tu vas peut-être y arriver celui-là. En plus, niveau temps limité, t'es plutôt bien. T'as dépensé qu'une minute pour deux ennemis. Donc pour le moment, t'es dans les temps, je dirais. Bon, ça va, là, il se retourne. Allez, plus qu'un. Faut le faire. Faut le faire. Mais vous, le dernier. Il est là. Fais gaffe quand même à pas te faire avoir, ce serait bête juste à la fin. Bon, il a l'air de faire une ronde très simple. Ouais. Oh,
Non. Oh putain. Non. Pourquoi? Mais merde. Pourquoi il était arrivé ce con? Même dans le jeu, je suis poissard. Ce mec, il va éternuer au même moment. Quoi. Bon, on a vu globalement ce que c'était le niveau. Je vais passer au suivant. Non. Mais... ah mais ça c'est dégueulasse. Ça, c'est... Non, ça c'est un scandale. Non mais en plus le pire c'est que t'as pas été dehors, donc théoriquement tu devrais pas être enrhumé, ça veut dire que les programmeurs ont été vicieux, ils t'ont mis enrhumé pour cette mission. Ah, c'est un scandale. C'est incroyable. Je renie ce jeu. Donc là par contre ça a l'air très chaud quand même. Ah bah... parce que non, il est enrhumé, c'est enfoiré. Il va bien trouver le moyen d'éternuer en plus. Donc là, je vais avoir le temps normalement quand il va se retourner. C'est des bas de pyjama qu'ils ont ou... Non, c'est... c'est censé être une armure de ninja. Ah. Oh putain, heureusement qu'il fait le tour ce con. Ouais, la petite petite musique. Putain, c'est chaud. Ah maintenant, 8. Eh oui. What the fuck. Mais on n'y arrivera jamais. C'est impossible, on n'y arrivera pas. Ah non. Il faut vraiment le connaître par cœur là, celui-là. Ah bah voilà, c'est réglé. Model dub, c'est pour les gens patients. Ah, surtout ce niveau-là. Ouais. T'as, je veux dire, avec Tuxedo Snake, putain, ça a l'air chaud ça. Si. Remarque, je crois que tu peux les braquer quand t'es sous les caisses. Ah ouais. Donc faudra que t'essayes de le faire sous les caisses. Genre quand il passe à côté, mais en même temps t'as 3 minutes, donc faut quand même que tu te magnes. Oh puis t'as vu comment il marche en plus. Moi je te conseille d'être planqué sous la caisse. Lui là tu vas pouvoir l'avoir je pense. Ouais. Non. Ah bon. C'est pas grave. Oh le con. Oh putain. En fait tu as tous ces ordres de revire, du coup tu vas pas pouvoir les braquer. C'est un peu ça. Tous s'endormir au même moment. Non, il va se faire réveiller par ses collègues en même temps. Lui là. Merde. What was that just now? Oh putain. Alors là, c'est la merde. Genre, chaud. C'était joli quand même. C'était un peu juste, mais c'était joli. Oh putain. There's somebody there. Oh lui, tu l'as eu. Oh, lui, t'aurais presque pu l'avoir du coup. Et... un petit cadeau. Oh merde. Cadeau. Allez, c'est gagné. Merde, c'est gagné. Ah, monsieur, son petit cadeau. Si l'objectif du jeu était de tous les endormir, je pense que t'aurais réussi. Ah, et ben alors, on sort pas bien. Qu'est-ce qu'il a lui? Freeze. Du coup, t'as raté ton hold-up, je crois. Ah bon? Ouais, tu l'as endormi avant. Oh non! Voilà, ils dorment tous là. Voilà, je pense en fait le mieux c'est plutôt que de le mettre des coups de poing, c'est de le soulever, le... pas quoi que, je sais pas. J'aurais pas le temps. Ouais, ça va être trop juste. Bon, ah voilà, je me suis raté. Ouais, c'est pas grave. Lève-toi. Allez. Ouais, alors déjà quand on voit le temps pour un... Oui, c'est trop long à réveiller. Bon, je vais me suicider. Non, mais... il va même pas se suicider. Ah si, non. Je porte pas l'échec, je préfère mourir plutôt que... Bon, bah mission suivante. Donc la numéro 10. C'est dingue quand même, t'as un mec qui va endormir 4 mecs, tu vois. Et qui va se suicider après. Quel est l'intérêt? Oh putain, on a pas de radar! Oh là 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 là, le bordel! Oh mon dieu!
Tuxedo Snake, hein. Pas bien. Ah là là, infaisable. Infaisable. C'est électrifié ça, normalement. Il manquerait plus qu'il y en ait qui ait le camouflage optique et ce serait le pompon. Oh! Et ben voilà. Putain, il m'a fait sursauter en plus. Tu l'avais pressenti. Ah, y'a personne et tout. Ah, ben là... Oh! Tu veux essayer? Non. D'accord. Je suis pas. Non, non. Je... Bon, vous avez vu le mode hold up, hein, c'est un petit peu chaud quand même. Faut vraiment. C'est barbare, pardon. Ouais, ouais, ouais.